sommes entretenus avec le président du FASO et sur les questions en lien avec la révolution la révolution au Burkina Faso. Disons que nous, en tant que mouvement panafricaniste, nous sommes témoins de ce qui se passe au Burkina Faso et nous ne pouvons pas rester en marge de cela, comme Bob Marley l'avait dit. Pendant combien de temps ils vont tuer nos prophètes alors que nous sommes arrêtés de loin en train de regarder? Nous refusons de regarder la chose se passer très loin. C'est pour cela que nous sommes approchés pour lui apporter notre soutien. So we brought 4 points. Les efforts que nous voulons mener sont de. Il y a 4 points que nous avons abordés avec le président. Le premier point, c'est que nous comptons organiser des missions de commerce ici. Et après, le deuxième point, c'est le renforcement des capacités chez les femmes et chez les enfants. Et cela passe aussi par une révolution politique. Ça veut dire quoi, une révolution politique? Parce que les femmes et les enfants sont beaucoup exposés à la manipulation. Donc, pour cela, nous voulons renforcer les capacités de ces couches-là. Et le troisième point concerne le renforcement des capacités du service public et aussi des acteurs du service public, notamment les fonctionnaires, parce qu'un bon service public conduit au développement. Et le quatrième point, c'est la paix et la sécurité. Nous sommes fatigués de voir les missions de maintien de paix des Nations Unies venir en Afrique alors qu'on continue de tuer les gens. Nous voulons une vraie mission qui va mettre fin à la tuerie. Tous ces points ont été abordés avec son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Peace enforcement is when you just finish that. Our structure. Organisation comprend les organes suivants. Nous avons l'organe en charge des femmes, l'organe, la section culture, et notre mission principale, c'est la libération économique, politique et sociale de l'Afrique. Nous voulons nous assurer que les empires et les royaumes soient intacts et que nous gardons nos aspects culturels.